enfant qui veut faire pour lui, il dit prend attention dans bébé, dans sur les bras, moi je fais l'école. Il est tout, il y a un coup là. Donc, bravo pour ça, c'est là. Il prend attention. Thank you.
Communication is key, guys. Allez, 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 allez
Hey, on a trois points de goût là. Hein? Allez. Allez Anil, allez Anil. La Bible dit bon, bénis-toi, vous bénis-toi dans les enfants. Et les enfants, ici, là, qui vont dire, c'est un grand miracle. Parce qu'ils vont dire, content dans les enfants. Ils sont dans les enfants, ils sont dans les enfants. Il y en a deux fois quand nos enfants malades, eh bien, nous connaissons, il y a quelqu'un qui prend soin des enfants. Qui prend soin des enfants. Donc, il y a un garçon qui habite Villemar, dans l'Assemblée de Dieu de Villemar. Vous connaissez quoi de Villemar ici? Quoi ça? Assemblée Villemar là-bas. Voilà, partout le Seigneur met sauvant les enfants. Parce qu'ils vont dire content le monde entier. Content du monde dans Villemar. Là, donc, il y a un garçon là, comme un autre là, nous avons vu les enfants. Les enfants écoutent bien, les enfants. C'est toujours plus si c'est. Ils écoutent bien. C'est qui bon Dieu ne fait pour ce garçon là. D'accord? Bonsoir, c'est tout. Voilà, je suis bien heureux que nous tous nous réunions ici, tous les enfants, tous les parents nous réunissons ici à Villemar. Et voilà, je fréquente à l'Assemblée de Villemar. Ça, c'est mon garçon Adi. Voilà, Adi, tu m'as envie de témoigner ce que bon Dieu peut faire dans la vie de mon garçon. Voilà, 3 ans de cela, et mon garçon est malade. Et je peux faire de la fièvre et des douleurs avant tout ça. Et là, nous prenons l'une à l'hôpital. La côte là-bas, nous connaissons qu'il y a un conseil du sang. Mais quand même, bon Dieu, pas fini les genoux, bon Dieu, c'est toujours avec nous. Même nous faisons ce traitement, tout finit passe tout bien. Nous ne faisons pas de rien, même nous faisons ce traitement, nous challenge. Nous restons là-bas 10 mois, mais bon Dieu, il reste toujours avec nous. Il fait nous grâce que nous ne faisons pas de rien. Nous ne faisons pas de rien, même côté finance, bon Dieu, il pouvoir. Mais nous avons envie de dire que bon Dieu, ça met du poids à bord de nous, ça met du bout de l'esprit. Même d'aller au moment au bal, il reste toujours avec nous. Amen. Voilà, Adien a quelque chose pour toi. Voilà, il peut y avoir. Voilà, j'ai envie de remercier Jésus de ce qu'il a pu faire pour lui. Lui-même, il connaît, je peux bien souffrir. Mais il remercie bon Dieu, que bon Dieu puisse être lui, puisse guérir lui aujourd'hui. Merci à lui. Eh bien, ce qu'il fait, c'est ça même qu'il est arrivé. Lorsqu'il arrive à l'hôpital en Inde, eh bien, docteur finit avec ses enfants-là comme ça. Aller dans le pays, pas besoin de retourner encore dans l'Inde parce qu'il finit guéri complètement. Hein? Le Seigneur finit faire ce miracle. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer?
20 km qui tout passe bien dans sur la tête et qui sont blessés là, capables de se mettre au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous disons un grand merci pour les moniteurs et les monitrices de Pont-Louis qui viennent nous énormément dans, pour sa journée-là aujourd'hui. Un grand bravo pour sa magnifique. Et nous disons aussi un grand merci pour les moniteurs, les monitrices de Belmont qui viennent associer avec nous, qui viennent aider nous dans beaucoup de choses. Et merci pour les gâteaux, pour tout. Nous passons une bonne journée sous le regard de Jésus. Avec beaucoup de luttes, nous arrivons aujourd'hui à trouver cette journée avec la grâce de Dieu. Et ma fille Natacha, dis-moi, dis un gros merci aux monitrices qui font contribuer pour cette journée. Les monitrices de Pont-Louis, un grand bravo pour eux. Merci. Merci pour tout. Et aujourd'hui, ça a été un avant-goût. 55 ans que l'école des enfants existe à l'île Maurice. Ça a commencé en 1968, le 17 juin. Le 17 juin 1968 et le 17 juin 2023 pour gagner 55 ans. Et nous vous préparons un programme pour les enfants, pour vos enfants. Mettez ça à cœur devant le Seigneur et le Seigneur vous fera. Les enfants, c'est l'église de demain. Je protège mes frères et sœurs et je capare bien ces hommes dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, Dieu bénisse votre bonne rentrée.